Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un test de mode d'une moissonneuse quasi H. Donc, j'ai pris celle qui est en mode. Celle qu'on avait sur FS7, c'est la 1660 de chez les cases. Et à côté, il y a la même, la case, la 1660 aussi. Sauf qu'il y a plus d'options. Donc celle-là, déjà, la barre de groupe adaptée pour le colza. Enfin, le colza. Oui, le colza, pardon. Oui, le colza, c'est ça. Elle est adaptée pour le colza. Alors que là, c'est pour le blé. Elle a la barre de coupe qui s'adapte au terrain. Après, elle a... On peut la mettre en chenille comme vous pouvez voir ou en roue classique. Je vais vous faire voir. Donc c'est celle-là. Donc là il y a une barre qui est prismée sur l'avant où il y a les deux rouleaux qui broient le grain. Donc on peut mettre des pneus Michelin, des chenilles, c'est ce que j'ai mis, ou des pneus larges. Un Midas, c'est pareil, des chenilles ou des roues. Dans toutes les marques, c'est que des chenilles ou des roues. Après, on peut mettre une. Et là, c'est si on veut modifier le moteur. Donc, on passe de 190 chevaux à 240 chevaux. 240 chevaux, 350 litres de réservoir, 20 km sur route et 6340 litres. Donc, après, niveau intérieur, c'est exactement le même que celle qui est à côté. Vous allez voir, voilà, c'est exactement le même. Donc là, on va aller tester. Donc on va aller voir. Bon, je vais essayer de vous faire voir la barre de coupe qui prend la moissonneuse, elle reste droite, mais c'est la barre de coupe qui penche pour suivre le terrain. Je sais pas si on va voir, mais. Ah si, peut-être, je vais peut-être pas mentionner, mais je sais pas si vous allez voir. Alors, regardez, ah si, on voit là. Regardez la moissonneuse, elle est droite, mais regardez la barre de coupe. Elle est un peu sur le côté. Donc là on le voit bien, regardez la moissonneuse, elle est sur le côté, vous voyez. Elle est la moissonneuse, elle est de côté, et la barre de coupe, elle reste droite, peu importe le terrain. Après, c'est exactement la même, je peux vous faire voir moissonner, mais je crois qu'en plus, avec cette barre de coupe, elle monte plus haut. Donc, je sais pas si je peux voir. Si on voit comme ça, on voit que la barre de coupe elle penche. Après, niveau training, c'est exactement la même. Ouais. Et je vois si le prix c'est le même. Là, 145. Ah, ouais, c'est exactement le même prix. Pour ceux qui veulent cette moissonneuse avec la barre de coupe qui penche, je mettrai le lien. Dans la description quand j'aurai mis la vidéo sur YouTube, elle sera dans la description le lien pour ceux qui la veulent. Ah oui, là on voit bien que ça penche. Vous voyez? Je pense qu'on peut peut-être mieux le voir là. Ouais. Vous voyez, elle s'est mise dans le côté.
Donc là, c'est. Et en plus, je crois que elle fume noir en plus. Ah ouais, elle fume noir. En plus, là, il y a les éparpillères qui tournent. Il y a les poulies, tout ça qui tournent. Je sais pas si elles tournent sur celle de base, sur Bastien Bot. Donc, je pense que si, maintenant, si. Je pense que dans toutes les machines, ils tournent sur cette F19. Faut que je mette. Ah ouais, si ça tourne. Si, c'est exactement pareil. Après, je sais pas si c'est peut-être que le tablier à colza se rajoute si on maçonne du colza, je sais pas. Mais je pense pas. Parce que là, il y a les couteaux qui sont sur la barre de coupe. Normalement, ça se met sur le côté, peut-être comme certains meubles où dès que tu moissonnes du colza, ça se met tout seul. Je sais pas, on va voir. Bah, en vrai, ça devrait être comme sur l'autre. Ah, si, ouais, tu as rien dit, ça se met aussi. Donc, en fait, oui, ça se met bien tout seul. Donc, je sais pas si on va pouvoir voir, mais vous voyez la barre de coupe. Elle penche pas. Vous voyez, elle a du mal à la moissonneuse vu que c'est en pente. Je peux descendre, vous allez voir qu'elle penche pas. Vous voyez que la barre de coupe, elle reste toujours droite. Oh bah, si cette petite présentation de cette 1660 vous a plu, mettez un pouce bleu et partagez la vidéo. Et je vous rappelle que le lien il sera dans la description dès que la vidéo sera en ligne. Merci à tous, au revoir.